you Solidaire d'abord, sur Fréquence 7, cette émission où on peut se permettre de dire certaines choses qui ne se disent pas ailleurs. Alors là, évidemment, on va être sur les élections euh, euh, législatives et en fait, est-ce que c'est une élection importante à votre avis pour la démocratie législative Normalement, oui. oui. Normalement. normalement. Maintenant, on a vu dans le quinquennat précédent que ce n'était pas le top. Enfin, oui, enfin, c'est ce qui a donné tous les pouvoirs à. Ben oui, les députés euh, Godillot, euh, Playmobil, euh, ils ont eu des surnoms les députés. Oui, mais une fois qu'ils ont été suffisamment nombreux, parce qu'ils n'auraient pas été aussi nombreux, euh, peut-être que les choses seraient, se seraient pas passées comme ça. Oui, mais si. si. Si, si. Imagine que Macron ait moins de 300 députés. Ah, ah. 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 Ça change des choses. Alors Amalia, aujourd'hui, toi tu vas nous parler de voilà, le, cette élection par rapport au Parlement, le pouvoir du Parlement, tout ça. Tu as bossé sur ça Oui, oui, oui. Ben, euh, moi, j'étais toujours frappée de, de constater que une fois les élections présidentielles passées, les gens considéraient que les choses étaient euh, actées et, euh, et puis souvent s'abstenaient de venir voter aux législatives. Et en fait, euh, c'est de mon point de vue, une grosse, grosse erreur parce que, euh, selon la Constitution, le président euh, euh, négocie et signe les traités, donc il a un travail à l'international, et il est le chef des armées. Mais celui qui dirige la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre, et le Premier ministre est, est issu de la majorité à l'Assemblée. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, quand on dit que le gouvernement a pris des mesures, très, 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 très souvent, ce sont des lois et les lois sont euh, discutées à l'Assemblée. Donc, en fait, l'Assemblée le, 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 nationale euh, gouverne on pourrait presque dire que l'Assemblée nationale gouverne au même titre que, que le gouvernement. Et voilà. C'est la différence entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Exactement. Dans un régime parlementaire, le Parlement est le chef. Voilà, exactement, exactement. Et euh, donc, euh, selon la majorité qui se dessine aux élections législatives, euh, le, le, le devenir du pays est complètement différent, puisque là, c'est ce que tu viens de dire, euh, Denis, lorsque euh, euh, l à l'Assemblée nationale, on se retrouve avec une majorité qui est de la couleur politique du président, on se retrouve avec un président qui a absolument tous les pouvoirs et qui n'a aucun contre-pouvoir. Ça, c'est très dangereux pour une démocratie. Surtout quand le président, avec son conseil de défense, c'est lui qui décide ce qui va être voté ou pas voté et que les, que les députés suivent comme un seul Mais euh il, il a encore rajouté, en fait, une couche supplémentaire entre les citoyens et le pouvoir. Hein, oui, en exactement. faisant ça avec ce conseil de défense. Hum. Mais de toute façon, depuis le départ, lui, il est vraiment, lui tout seul, en électron libre. Mais peut-être que les choses pourraient changer, là. Ouais, c'est ça qui, c'est ah, qu ah, qu qu euh, les, les choses sont pas faites, oui. Ouais. oui, oui. Ouais. avec les 22% de Mélenchon et puis l'Union populaire qui s'est qui, qui s'est faite, voilà, ah, oui. Ouais. Euh, bon, il y a quelques électrons libres des de socialistes qui en Ardèche là euh, ne jouent pas le jeu. — Mais bon, il n'y a pas qu'un Ardèche. — Parce hum, que théoriquement... Bon. Enfin bon, on, on, a, on a vu des documents euh, co communs. Hein, euh, il nous explique, entre autres, sur ce document que euh, théoriquement, quand le président signe quelque chose, a traité une loi, tout un ensemble de choses, à chaque fois, il est avec un ministre concerné. Et ce ministre, lui, est là en tant que mandaté par le Parlement. — Exactement. Hein, Et il ça. doit y avoir une double signature. De, 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 de ces documents. Donc, euh, on, bah, on l'a vu lorsqu'il lorsqu y a une. Bon, on, a, on a vécu à plusieurs reprises dans notre histoire des, des cohabitations. Donc, les cohabitations, c'est quand on a un président qui est d'une couleur politique et une, une majorité, majorité à l'Assemblée nationale qui est d'une autre couleur politique. Du coup, le Premier ministre qui est nommé est, 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 est un opposant au président de la République. La, répu la, la politique qui s'applique à ce moment-là, c'est celle du Premier ministre. On l'a vu lorsque il euh, y a eu la cohabitation co co entre euh, Mitterrand et Chirac. Chirac, euh, Chirac et Jospin. Chirac et Jospin, exactement. Mmh. Et dans, dans, à chaque fois, c'est la, la, la politique euh, du premier ministre qui s'est appliquée. Baladur et Mitterrand. Voilà. Hein, 93, 95 aussi. Et à chaque fois, c'est le Premier ministre. Et, et donc, alors, il y a un mythe aussi, c'est que c'est le, le président qui nomme le Premier ministre. Non, c'est pas non. comme ça. Il, il est bien obligé de tenir compte de ce qui se passe au Parlement. Exactement, exactement. Bon alors ce qui se passe c'est que euh, on entend toujours une petite musique qui revient à chaque élection euh, présidentielle et à chaque élection législative c'est que quand un président est élu, il faut lui donner les moyens de gouverner et du coup euh, il obtient la majorité à l'Assemblée de façon quasiment systématique surtout depuis qu'on a changé la date de l'élection législative réaction, voilà avec, euh, exactement avec et maintenant, c'est plus des septennats, c'est des quinquennats. C'est des quinquennats. Voilà, donc, Aussi, pareil, ça, pareil ça, que l'élection du voilà. Parlement. Parce qu'à un moment, ah. il y avait septennat pour le président et quinquennat pour le Parlement. Oui. Du coup, il y avait un décalage entre les deux élections. Et, et, et donc, et... c'était la porte ouverte à des cohabitations. Tout à fait. Et donc, euh, on... ça a été euh, clairement euh, dit. Donc, euh, on a changé la date de l'élection législative pour éviter les cohabitations. C'est vrai. Mais du coup, on se retrouve sans contre-pouvoir. Voilà. Et donc euh, c'est vraiment euh, dommageable pour euh, la démocratie, tout oui, simplement. Fait... Oui, ouais. oui C'est que cette histoire de le président doit avoir sa majorité au, de, chez les députés. Il n'y a rien écrit dans le marbre. C'est juste euh, voilà. Parce que la démocratie, après tout, c'est quand même à un moment tout le monde se met en, à, ensemble pour discuter de l'intérêt général Qu'est-ce qu qui va dans l'intérêt général Et même, il me semble que euh, ça peut aller très loin, ça peut même aller à des élèves qui, euh, qui contestent la façon dont les profs leur donnent leur cours. Non, Alain C'est oui. bien un petit peu ça dont tu nous parlais. Oui, tout, 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 à, tout à fait, oui, oui. Euh, lors de leur cérémonie de diplôme, euh, huit élèves de cette prestigieuse école d'agronomie, euh, l'école de euh, agri, agro euh, ParisTech euh, ces élèves ont eu beaucoup 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 de courage puisqu'ils ont prononcé un discours au vitriol contre une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Le temps est donné dès les premières secondes du discours à la tribune de la cérémonie de remise des diplômes des étudiants d'Agroparitech, une prestigieuse donc, école d'ingénieurs agronome, Lola Keraron, a dénoncé euh, samedi 30 avril donc c'est tout récent une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours avant de se livrer avec ses camarades, à une critique en règle de l'agro-industrie et du capitalisme. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre, rien d'autre que le capitalisme. Bon, bonjour le courage de ces jeunes qui, euh, à un moment, affrontent leurs leur profs, en fait, hein, mais affrontent aussi la société d'une manière générale, c'est-à-dire qui, qui leur... Affrontent affronte leur famille aussi, hein, peut-être, parce oui. que peut-être, hein, je ne sais pas, c'est vrai que c'est pas évident quand on a, euh, disons, poursuivi ses études, quand on a 23, 25 ans, et euh, eh bien, après, prendre, euh, disons, dire, ben mon diplôme, je le mettrai au service d'autres choses, c'est-à-dire refuser sans doute un salaire conséquent dans une, dans oui. une industrie. Hein. Euh, tout ça, par rapport à des valeurs, des valeurs euh, morales, philosophiques... Mur, euh, on, 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 on va dans le mur, là, c'est clair quand même qu'on le sait qu'on va dans le mur. On là, va dans le mur, le, arrêter, capi le capitalisme nous conduit euh, ouais. sur. Il euh, n'y a aucun problème, enfin aucun problème, <laughs> tout le problème est là, il nous conduit dans le mur. Mais c'est la caricature que tu racontais, Denis, aussi, juste après que Alain nous ait parlé de ça, c'est Sigenta, là, c'est comment ouais, Oui, oui, Sigenta, là, c'est un truc euh, le phytosanitaire, là comme il y a du pain de mort de, de et puis d'autres. Euh, ouais, Genta, il a lancé un truc, là, son, son directeur, son PDG, comme quoi il faudrait supprimer l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique, elle, produit, elle est moins productive que l'agriculture intensive. Donc <laughs> il faudrait la supprimer parce qu'en ce moment, on a besoin de produire, reproduire. Donc on supprime l'agriculture biologique. Voilà où on en est, des propositions, des, des, des propos qu'on peut entendre. Ah, qui sont, sont complètement, logique, aberrants, hein. complètement aberrants. Ils sont dans leur logique. Oui, oui, mais Ça, c'est la logique quand même de en marche. Oui, c'est la logique du portefeuille. Voilà, c'est le parce que maintenant on n'appelle plus en marche d'ailleurs. T'as vu, c'est mort, c'est Il n'y a rien qui marche, donc maintenant ils appellent ça comment C'est pas reconquête, c'est pas reconquête, c'est renaissance. Ah, c'est pas résurrection. c'est renaissance. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et donc tout ça avec un chapeau. Il euh, y a un chapeau, tout ça c'est pour les élections législatives, hein. je suis revenu à, à, notre, à, à notre thème, et, et parce qu'il y a un chapeau et c'est ensemble. Ils sont ensemble. Alors, euh, sauf qu'il y avait un mouvement ensemble qui existait, qui était un mouvement de gauche. Ils ont piqué le nom, euh, ça ne le, les dérange pas. Euh, voilà. Donc ensemble, ça réunit Horizon, le modem, et par renaissance, par reconquête, pas euh, résurrection, renaissance. Et malheureusement, c'est très orwellien. Hein, c'est euh, que des mots parce qu'ensemble, en fait, ils sont, ils sont pas du tout ensemble. Hein, non. Ils sont entre eux. Ils hein, sont entre eux. eux. C'est du vide. C'est des mots vides. Ça, ouais. ça, ça, ça mène à rien. Ça, ça a pas de de consonance quelconque. C'est basique. C'est voilà. C'est, c'est neutre. Alors, tu as vu Amalia, on est revenu quand même au sujet euh, des élections législatives. Est-ce que tu voulais euh, abonder, euh, nous expliquer encore un peu mieux comment ça marche ben, Moi, j'aurais aimé parler du rôle de, des députés, parce que c'est oui. un rôle qui finalement est assez mal connu. Euh, donc, euh, le député, je trouve qu'il a un rôle assez intéressant, euh, parce que c'est le seul élu finalement qui fait la navette entre euh, le terrain son terroir oui. et les sphères parisiennes. Et je pense que c'est vraiment euh, l'occasion pour, pour, pour cet élu de, de, de faire remonter des, des informations. Il connaît son oui. territoire, etc. Et euh, peut-être, bah, enfin il faut espérer que, que les, les, les députés le fassent, mais... Euh, euh, faire prendre conscience des, ré des réalités de, de chaque oui. territoire euh, à l'Assemblée. Sauf que dans l'exemple de ce qu'on a, on qui s'est pas passé juste avant, euh, on, on a eu des gens qui nous expliquent qu'ils ont l'Ardèche au cœur. Hein. Oui, oui, ils, oui, vi oui. ils viennent serrer la main à tout le monde. Alors là, je parle de euh, oh. Fa Fabrice Huguetto non, 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 non. et pa euh, Patrick, enfin, <laughs> euh, hein, tu vois, Brun, enfin, euh, bref. Et donc, les mecs, ils sont là en se disant Mais moi, je suis du terroir, moi, je suis vous, oh. euh, je suis avec Puis vous. Et puis, à, la limite, à la limite, ils sont sympas, ils vous payent un coup à boire, hein, c'est avec sûr. votre argent. Mais bien sûr. Avec voilà. vous touche, ils vous payent à boire. Ils voilà. hein, sont très, mais, très généreux. Mais, mais, mais depuis, depuis, il n'y a pas que, évidemment, mais depuis 30, 40 ans, l'Ardèche, en fait, c'est, c'est, c'est un truc, ça envoie des députés à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'en retour, la France fait quelque chose pour l'Ardèche, à part du tourisme C'est-à-dire que petit à petit, on va, on va devenir un espèce de parc, Hein oui, oui, euh... un, un aspect parcageux parc quoi et encore du tourisme quand on voit la, la grotte Chauvet euh, c'est finalement c'est du privé qui tire les marrons du feu et ouais. qui, qui tire l'osaille hein. c'est géré c'est c'est été financé par des privés et c'est ouais, c'est les privés qui tirent le, la monnaie de, de, de la grotte Chauvet alors à en croire, lorsqu'on rentre dans tous nos villages, hein, en tous les cas, on peut dire que la région fait quelque chose, puisqu'il y a le ah, seigneur oui. des panneaux. Le, le seigneur, seigneur des panneaux, il y a toujours marqué la région. Hein. Alors certains non, c ont changé, on qui évoqué le, c est voquiez, le ah, seigneur ah. des panneaux. <laughs> Le moindre bled, même s'il y a 15 habitants, il y a marqué que la région pense à eux. <laughs> Je sais pas combien il a dû acheter de panneaux, le mec. Ça, il, doit, il doit franchement avoir un prix. Hein. Ouais, ouais, parce en que ce il... pas des petits panneaux de merde. Ce hein, ah, ne pas des petits panneaux de merde. Hein, ah, ce sont ah, des ouais, super ouais. machins. Ouais. Alors, heureusement, il y en a. Il y a marqué, normalement, la région aide euh, votre village. Et il y a des mecs qui ont changé le A de aide. Ils ont mis la, la région vide, vos villages. Enfin, <laughs> <laughs> bon... Euh, il n'y a, a quand même pas beaucoup de gens qui tombent dans le panneau du seigneur des panneaux du seigneur des panneaux bon. Mais, et donc oui il y a une vraie controverse là parce que on a euh, quelqu'un à la région qui, en même temps, euh, fait du clientélisme, exactement comme peuvent le faire Brun, Huguetto, euh, etc., pour ne pas les nommer. Hein. Et, et, et en même temps, euh, c'est quelqu'un qui va venir expliquer, en mettant son panneau, qu'attention, il faut, faut être gentil si on veut avoir les subventions. Quoi. Ah oui, les, les maires qui sont de son côté, euh, ils, ont pas, ils ont moins de soucis, disons, pour avoir des aides ouais. que ceux qui sont dans l'opposition. Alors excusez moi, j'ai squeezé le truc parce que théoriquement, là, on parle des élections législatives, et il se trouve qu'à euh, la région, c'est pas la même chose que les financements, c'est pas, pas la même chose que les élections législatives. Non, mais c'est intéressant quand même. Oui. <laughs> mais, alors donc, toi, tu nous expliquais que c'est quand même le député de l'Ardèche qui va monter à, alors... qui va monter à Paris. C'est oh. à dire il y a des députés, mais chaque député, on sait d'où il vient. Voilà. Donc c'est quand même une élection assez particulière parce que à la fois c'est une élection nationale et à la fois c'est une élection euh, locale. Et ça a des, des, des avantages. Ça pourrait avoir des avantages. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un élu qui fait la navette et qui pouvait, qui pourrait, euh, s'il le voulait, euh, faire passer vraiment beaucoup de choses entre le terroir, le territoire et les sphères parisiennes. Et euh, mais ça a aussi des biais, c'est à dire que euh, sur un territoire euh, on le sait il y a des élus qui sont déjà implantés, euh, qui sont connus euh, etc. Et donc euh, quand, quand de nouveaux, euh, de nouvelles têtes arrivent, euh, elles ont du mal souvent à, à émerger voilà et c'est souvent euh, les gens votent souvent pour des, des personnes connues déjà malheureusement euh, voilà. Et si on veut qu'il y ait vraiment de la démocratie, euh, si les gens réfléchissent un peu, euh, ils, devraient, ils devraient voter, disons, des, des, des pensées différentes du président, de manière à ce qu'il y ait un vrai débat qui se produise à l'Assemblée. Exactement. Oui, et puis, et puis venir avec un vrai programme, parce que le programme de je suis content de te voir, je te fais un grand sourire, je te serre la paluche, c'est pas tout à fait un programme quand même. Ben, on a déjà un président qui n'a pas fait campagne et qui n'a pas quasiment pas présenté de programme oui. et donc euh... oui, mais tu, là, là tu, en fait tu oublies qu'il a quand même organisé un grand débat <laughs> euh, qu'il a quand même fait ce qui s'appelle la convention citoyenne Pour le et que et, et quand même que tu vois le mec il est sur la démocratie euh, là comme ça au quotidien quand même hein qu'est-ce que ah, vous là, en pensez euh... Euh... La convention citoyenne pour le climat, c'était 150 personnes, 149 propositions. Au départ, elle avait dit, oh, ça, ça a dit, il n'y aura pas de filtre, tout ça, je vais les prendre, voilà, je vais m'en servir, et il n'y a pas de souci. Et puis quand les propositions sont sorties, et bien, il a commencé à sortir, oh non, mais j'ai des jokers finalement. Voilà, je sors mes jokers pour ci, pour ça. Et puis après, bien, le reste, c'est tout rediscuté. Ça fait qu'après, ça n'est plus ni queue ni tête, ça n'est plus rien à voir avec le départ. Donc, finalement, ça a été du blablabla, c'était euh, voilà, pour contrer le moment des Gilets jaunes, pour, pour endormir le peuple. Mmh. C'est dommage parce que c'était une idée, euh, ça aurait pu être une idée géniale de, de consulter 150 personnes qui, au départ, n'étaient pas des experts qui ont suivi euh, plus ou moins des formations, je crois, hein, oui, oui. Euh, fortes, hein, importantes. Et puis euh, les propositions étaient, étaient très intéressantes. Hein. Euh, et c'est dommage parce que oui, la sortie des jokers. Euh, et après, euh, ben, il n'en reste plus rien, quoi. Finalement, il n'en reste plus plus grand chose. Donc, c'est hyper démotivant parce que être consulté. Et puis, euh, que, le, que notre avis, disons, ne serve à rien, je crois qu'il n'y a pas pire. Il a, a, a pas pire. Ça, hein, ça a me pire. rappelle mmh. le référendum de 2005. Oui, voilà. voilà. Ça. Le référendum de 2005. Oui, Rappelons-le peut-être un peu. Oui. Parce que hein. Alors justement, sur le référendum de 2005, euh, on, on, on s'oppose quand même à cette constitution européenne. Et Denis, euh, tu voulais nous rappeler que ben, M. Macron, en fait, commence à faire à nouveau des propositions pour changer... Non, oui, en ce, moment, en ce moment, c'est lui le représentant, il est à la tête de, 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 de l'Union Européenne, là, pendant jusqu'au mois de juillet, juillet, juillet. Donc voilà, et alors, il a fait une proposition, il veut réformer les, les institutions, pas, pas n'importe lesquelles quand même, parce que ce serait pour la pour l'armée, pour la défense et pour la santé. Donc moi j'ai peur pour la santé et pour la défense, parce que si c'est l'Europe qui, qui commande, ça va être, on n'a plus notre mot à dire, ça sera oui. une, une, une Union Européenne fédérale. Oui, Donc, parce, voilà. parce que en fait, on, on a vu déjà euh, dans le passé, c'est bizarre quand même que Macron, d'un seul coup, euh, nous explique qu'il veut réformer des choses ou, ou faire avancer euh, cette Europe. Parce que, par exemple, François Ruffin nous expliquait l'autre jour qu'en euh, en, en fait, à l'intérieur de l'Europe, la Commission européenne a, fait, a, a discuté de trois choses qui auraient pu être des avancées. Euh, D'abord, le congé paternité, au niveau de l'Europe, hein, ça se discuté. Macron s'est opposé. Deuxième chose, c'était les taxes, tu sais, sur les, sur, sur les, les finances, etc., la flat tax, etc., oui, sur, oui. Sur, sur tout ça. Euh, oui, la oui, Commission oui. européenne propose de changer, de modifier les choses. Macron s'oppose. Bah, même mieux, même mieux. Euh, sur bah, le Biden, travail. Biden, Biden voulait taxer à l'auteur la de 22%. Oui. Le, et le maire a défendu Beckham le 14%. Et il venait s'en glorifier. Ouais. Il venait s'en ouais. glorifier, quoi en il ouais, avait ouais, obtenu ça, ça, Alors ouais. que c'était le contraire, il avait t as, t as, réduit as, au maximum. T'as raison le travail, le, le, le droit du travail des Uber, la Commission européenne s'en saisit et commence à discuter. Macron s'oppose. Ouais. Non mais voilà, ouais, oh, mais... c'est c'est pas c'est pas en marche. C'est le mec il dé, démolit tout. C'est Attila qui devrait s'appeler ce mec. Enfin je sais pas moi c'est c'est terrible quand même. Il, il démolit ouais. tout. Il y a un tel décalage entre ce qui est annoncé et ce qui oui. est fait que vraiment euh, là on. on on l'a on vu agir pendant cinq ans donc on sait très bien ce qui va se passer pendant les cinq prochaines années donc je reviens aux élections législatives oui, c'est vraiment carrément. très important euh, de, 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 de mettre en place un contre-pouvoir voire même euh, une cohabitation pourquoi pas euh, pour éviter de retomber encore et encore dans ces travers et dans ces, cette politique qui euh, qui ne mène à rien. Euh, tu parlais, tu parlais de ces positions de Macron, mais la France a été condamnée deux fois pour inaction climatique, et je pense que là quand même c'est le, le centre, que ça devrait être le centre de nos préoccupations. On a une grosse sécheresse en ce moment, par exemple. La question de l'eau, c'est une question fondamentale, et, euh, et on, on ne voit pas arriver de discours ni de propositions, rien. Mais, mais tout, tout va s'arranger avec Elisabeth Borne, t'inquiète pas, tu vas voir. Elle va nous proposer des trucs qu'elle n'avait jamais fait avant, tu vois, pendant 5 ans, parce qu'elle était quand même ministre, là. Et donc, elle va... Je suppose, si j'ai bien compris, c'est elle qui va être première ministre. — Oui. Oui. Voilà. Enfin, il faut aller chercher une femme pour être première voilà. ministre, qui n'ait ouais. qui pas trop de casserole, qui, voilà, qui tienne à la route et... Enfin, qui à la route. — Il nous donc, reste 2-3 minutes. Alors bon... — Mais pour reprendre l'idée d'Amélie, oui, bon, il faut absolument que les gens aillent voter pour les législatives. Et... Ceux qui s'abstiennent, ben là, il ne faut pas qu'ils s'abstiennent, il faut qu'ils y aillent Et puis, euh, un contre-pouvoir, je pense que c'est plus que nécessaire, oui il faut un contre-pouvoir euh, à la Macronie, hein, euh, qui, qui est toujours là, hein, qu'elle qu s'appelle euh, la République en marche ou qu'elle s'appelle Résurrection. <laughs> Qu'importe qu importe le nom, on n'en a rien à foutre. Euh, c'est toujours la même philosophie, hein, c'est une philosophie capitaliste dominante, néolibérale, donc ce n'est pas le bonheur de, de chacun. En même temps, c'est relativement simple. À quelle classe sociale vous appartenez Même si vous êtes dans les classes moyennes, hein, Macron il veut faire payer les pauvres et les classes moyennes. C'est simple quand même. Hein. Euh, si, le, si. le Pen elle veut faire payer les émigrés, les étrangers, euh, pas pas les émigrés fiscaux. Hein. Les émigrés fiscaux, non, non, elle, ça ça la dérange pas. Ça hein. met euh, si, de mal aux riches. Si si, si c'est le prince euh, qui vient, euh, je sais pas, des, des, tu vois des euh, des Émirats, euh, il va être bien reçu, hein, qui s'inquiète pas. Par elle contre, elle n'a rien euh, contre les Rois riches. Voilà. Contre les rois riches, ça va. Et, et après, euh, il me semble qu'il y a un troisième euh, Le bloc de gauche. Il hein, qui... y, y a des gens qui disent, bah, il faut faire payer les riches. C'est quand même assez simple. Vous êtes dans quel camp, quoi Voilà. Où est votre bah, il faut, ouais. faut, plus, plus exactement, plutôt que de faire payer les riches, euh, mieux répartir la richesse. Ouais. Moi, je crois que c'est mmh. plus. C'est plus juste, il me semble, de mieux répartir la richesse quand on sait que euh, la part des ah euh, comment s'appelle ce que les les, les, les les investisseurs, les actionnaires, les, les actionnaires, les actionnaires. la part de, qui va aux actionnaires a augmenté, les dividendes, les Alors, dividendes ont sur augmenté sur les dix dernières années, j'ai voilà, les chiffres, je te -moi. Voilà, vas -y, vas -y. les actionnaires 60 soix... plus 70 sur les dix dernières années, les salaires plus 10 voilà. cherchez l'erreur. Donc voilà, quand on dit qu'il faut mieux répartir la richesse, je pense que là, ça saute aux yeux. Hein. Alors par oui, contre, oui. si vous êtes pour le capitalisme, moi je vous conseille l'action Thales qui augmente depuis la guerre euh, énormément, elle doit être à peu près à 200% au moins en deux mois, c'est énorme. D'accord, ouais. Donc, donc il faut Pourquoi investir. Donc tu vois, vous n'êtes pas venu pour rien, vous savez sur quoi il faut investir. On ouais. est sur es, si Et que la guerre continue, vous, vous deviendrez riche. Ah, des, des guerres, on parle beaucoup de celle de l'Ukraine parce que c'est en Europe, mais des guerres, il y en a toujours eu, il y en a de partout. Hein. La Syrie, le Liban, la Libye. Comment, comment feraient les vendeurs d'armes si, si ça n'existait ouais, pas Oui, ouais. ouais, ben hein ah ben oh, Malheur, malheur au pays qui a, des, qui a des richesses dans son sous-sol. Mmh. Parce qu'automatiquement, euh, il est en guerre. C'est malheureux dans l'Afrique. Tous les pays qui ont des richesses dans son sous-sol, c'est la guerre chez eux. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre le pouvoir pour, pour s'en mettre plein les fouilles. Mmh. Donc, ouais, c'est. Et, et, et les pays tirent les ficelles derrière, il ne faut pas croire. Il me reste quoi 30 secondes euh, juste euh, pour rappeler le fait que bah, là, ils nous donnent euh, 15 ou 18 centimes à la pompe euh, pour, pour pouvoir payer. Euh, non, il don, pour non, non, non Michel, ils ne don, pay... il, il, il nous donnent rien. Oui, non, mais attends, justement, je voulais juste dire, ils il nous donnent ça, mais en fait, ils vont nous le reprendre avec l'autre main. C'est ouais. parce, parce que va, va, c'est nous qui allons le payer, hein. c'est pas Macron qui va le payer de sa poche. Hein. Il y a deux solutions soit c'est nous qui le payer par nos impôts, ouais. soit c'est parce qu'ils empruntent demain, voilà, euh, ils empruntent à la, à la BCE. Demain, il n'y a pas de miracle. Eh. Donc, on, on payera au bout. Ouais. On, paye, on paye maintenant ou on payera au bout. Quoi, bon, sachez bien que de toute façon, vous payez. Alors, euh, bon, tant qu'à faire, si on pouvait payer un peu moins, hein, ça serait pas il mal. Il faut aller voter le 12 et 19 juin. Il faut aller les, voter. Et pas toujours les mêmes. Voilà. Je, peux, plus, avoir, je peux avoir un oui. petit mot de la fin. Est, il est Dulios Bocarn au nom du PEDS, du FISC et du Saint-Bénéfice. <laughs> <laughs> Allez, au revoir. Ciao.